Je suis aujourd'hui à Beaumont, dans le quartier Natura. Je vous présente le 75 de la Topaze, prestigieuse résidence construction 2021, érigée sur un terrain de plus de 20 500 pieds carrés, ayant les services de la ville. Suivez-moi pour voir l'intérieur. Magnifique porte-patio double d'entrée vitrée qui m'amène dans ce très grand hall d'entrée. Donc, hall d'entrée avec un coin rangement ici à ma droite. Au niveau du rez-de-chaussée, vous avez tout de suite la coquette salle d'eau. Je suis sur une céramique chauffante partout ici au niveau du rez-de-chaussée. J'arrive dans l'aire de vie, donc qui est ouvert ici. J'ai le salon à l'avant de la propriété, plafond de plus de 18 pieds, qui est imposant, impressionnant, avec beaucoup de luminosité, avec cette belle fenestration. Par la suite, c'est complètement ouvert sur la cuisine, donc cuisine qui offre un bel îlot, beaucoup d'espace de comptoir, comptoir de quartz. Le micro-ondes ici est caché, beaucoup d'espace d'armoire, donc c'est extraordinaire pour cuisiner. Un évier sous plan aussi, donc salle à manger juste ici vous offre un petit coin style cellier rack à vin, coin pour mettre un petit buffet. Ensuite, j'ai la porte patio avec un imposte qui m'amène vers le balcon extérieur, donc balcon qui offre une section couverte et le beau terrain à l'arrière, donc on a beaucoup de luminosité. Par la suite, je monte quelques marches seulement, suivez-moi. J'arrive ici dans la suite des maîtres. Donc, la suite des maîtres vous offre une très grande chambre fenestration à l'avant et à l'arrière. Vous avez ici à même la pièce le walk-in d'une belle dimension. Par la suite, j'arrive, j'ai des belles portes justement ici sur rail qui peut fermer la chambre. Donc, c'est ouvert ici. J'arrive dans la salle de bain des maîtres. Vous avez un évier double, une magnifique douche en céramique, une nappe ici au niveau de la fenestration abondante pour la luminosité. C'est magnifique. Ensuite, je monte quelques marches. Suivez-moi. Donc, j'arrive ici dans la section où vous avez deux autres chambres. Donc, une chambre à l'avant de très bonne dimension, une chambre à l'arrière aussi de bonne dimension. Au niveau de cet étage, vous avez une autre salle de bain complète, donc avec un évier double, bain autoportant et une superbe douche en céramique et la très pratique salle de lavage, donc qui complète cet étage. Sans oublier la magnifique vue ici, directement sur le salon et sur l'aire de vie avec le superbe lustre. Suivez-moi au sous-sol. En me dirigeant vers le sous-sol, vous avez ici le palier qui m'amène directement au garage attaché. Donc, porte de garage, vous avez aussi une porte pour accéder à la cour arrière juste ici. Et à même ce palier, une pièce de rangement supplémentaire pour servir de mudroom. Suivez-moi au sous-sol. Donc, en arrivant au sous-sol, j'arrive directement dans la salle familiale face à moi. Donc, salle familiale qui offre une belle fenestration, possibilité ici d'y ajouter des chambres. À ma droite, ici, vous avez la pièce atelier où se trouve toute la mécanique du bâtiment, dont le système central à air pulsé qui offre un confort, thermopompe. On adore. Par la suite, pour compléter le sous-sol, vous avez ici une deuxième salle de bain complète avec douche. Suivez-moi à l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, vous avez une superbe terrasse couverte, un très grand terrain ayant les services d'aqueduc et d'égout de la ville. Cette propriété est située au bout d'une rue sans issue, donc un quartier très paisible. Vous aimeriez visiter, contactez-nous rapidement, équipe chanibergeron.com.